Coronavirus, Médecins du Monde réorganise son aide aux sans-abri. Reportage de notre JT d'X 9h30 de ce jeudi. L'Association Médecins du Monde a décidé d'adapter son organisation en matière de soins aux sans-abri, afin de protéger ses collaborateurs face à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. De son côté, l'Agence Bruxelles appelle les donateurs et bénévoles à la contacter via courriel uniquement, afin de ne pas surcharger les lignes téléphoniques dédiées à la gestion quotidienne du sans-abrisme à Bruxelles. Médecin du Monde, qui avait précédemment estimé inadapté aux sans-abri, les mesures contraignantes adoptées par les autorités, a réitéré son appel, afin que des mesures extraordinaires soient prises concernant les publics précarisés. Les capacités d'hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit, pour éviter, par exemple, que les candidats réfugiés s'ajoutent aux personnes sans-abri. Ces capacités doivent également être adaptées pour respecter les consignes de distanciation sociale, par exemple en agrandissant les espaces entre les lits, réclame l'association dans un communiqué publié jeudi. Sans un appui supplémentaire, la situation sur le terrain risque de se détériorer très rapidement, met-elle par ailleurs en garde, tout en soulignant que jusqu'à présent, aucun cas de contamination au Covid-19 n'avait été détecté. Degré-degré-degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus si Médecins du monde maintient opérationnelles ses activités médicales ou humanitaires, dans les centres de soins, ainsi que dans les centres d'hébergement pour personnes sans-abri, l'association a toutefois modifié son organisation. Les consultations ont lieu dans la mesure du possible par téléphone, comme c'est le cas dans le reste du pays. Les soins non essentiels, qui nécessitent d'être référés vers des spécialistes, comme des dentistes, sont reportés. « Les services du Medibu se limitent à la promotion de la santé, aux informations et à la distribution de kits d'hygiène », indique Michel Roland, responsable de la Task Force Covid-19 chez Médecins du Monde. Celui-ci signale encore qu'au hub humanitaire, les patients sont triés à l'extérieur pour pouvoir mieux les orienter, en collaboration avec Médecins sans frontières. L'association a également pris la décision de stopper l'investissement des volontaires appartenant au groupe à risque, comme les plus de 65 ans. À l'instar de nombreuses autres organisations, Médecins du Monde demande un appui en termes de matériel médical comme des masques ou du désinfectant, notamment pour le hub humanitaire. De son côté, l'agence Bruxelles demande à toute personne souhaitant contacter le centre de crise pour proposer des dons, de l'aide, des services ou témoigner de sa solidarité de le faire par courriel à 19 19bruxellesorg et non par téléphone. Afin de garantir l'aide de première ligne et la protection des travailleurs et volontaires, Bruxelles recherche les éléments suivants masques de protection, gel hydroalcoolisé, tenues de protection, gants. Bruxelles est également à la recherche de volontaires pour renforcer ses lignes d'intervention, travailleurs sociaux, infirmiers, étudiants dans le secteur des soins et de l'aide aux personnes, médecins généralistes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'association Médecins du Monde a décidé d'adapter son organisation en matière de soins aux sans-abri, afin de protéger ses collaborateurs face à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. De son côté, l'agence Bruxelles appelle les donateurs et bénévoles à la contacter via courriel uniquement, afin de ne pas surcharger les lignes téléphoniques dédiées à la gestion quotidienne du sans-abrisme à Bruxelles. Médecins du Monde. Qui avait précédemment estimé inadaptées ou sans abri les mesures contraignantes adoptées par les autorités, a réitéré son appel afin que des mesures extraordinaires soient prises concernant les publics précarisés. Les capacités d'hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit, pour éviter, par exemple, que les candidats réfugiés s'ajoutent aux personnes sans abri. Ces capacités doivent également être adaptées pour respecter les consignes de distanciation sociale, par exemple en agrandissant les espaces entre les lits, réclame l'association dans un communiqué publié jeudi. Sans un appui supplémentaire, la situation sur le terrain risque de se détériorer très rapidement, met-elle par ailleurs en garde, tout en soulignant que jusqu'à présent, aucun cas de contamination au Covid-19 n'avait été détecté. Degré-degré-degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus si Médecins du Monde maintient opérationnelles ses activités médicales ou humanitaires, dans les centres de soins, ainsi que dans les centres d'hébergement pour personnes sans-abri, l'association a toutefois modifié son organisation. Les consultations ont lieu dans la mesure du possible par téléphone, comme c'est le cas dans le reste du pays. Les soins non essentiels, qui nécessitent d'être référés vers des spécialistes, comme des dentistes, sont reportés. Les services du Médibus se limitent à la promotion de la santé, aux informations et à la distribution de kits d'hygiène, indique Michel Roland, responsable de la Task Force Covid-19 chez Médecins du Monde. Celui-ci signale encore qu'au hub humanitaire, les patients sont triés à l'extérieur pour pouvoir mieux les orienter, en collaboration avec Médecins sans frontières. L'association a également pris la décision de stopper l'investissement des volontaires appartenant au groupe à risque, comme les plus de 65 ans. À l'instar de nombreuses autres organisations, Médecins du Monde demande un appui en termes de matériel médical comme des masques ou du désinfectant, notamment pour l'hub humanitaire. De son côté, l'agence Bruxelles demande à toute personne souhaitant contacter le centre de crise pour proposer des dons, de l'aide, des services ou témoigner de sa solidarité de le faire par courriel aide.covid19@bruxelles.org et non par téléphone. Afin de garantir l'aide de première ligne et la protection des travailleurs et volontaires, Bruxelles recherche les éléments suivants: masque de protection, gel hydroalcoolisé, tenue de protection, gants. Bruxelles est également à la recherche de volontaires pour renforcer ses lignes d'intervention, travailleurs sociaux, infirmiers, étudiants dans le secteur des soins et de l'aide aux personnes, médecins généralistes. Reportage de notre JT Dix 9h30 de ce jeudi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.